Salut à tous, c'est Antouf. Aujourd'hui, on va faire une vidéo gaming en facecam. Parce que j'en ai marre d'utiliser des wankules pour faire mes vidéos gaming. Et aussi, c'est bien mon bureau, vous voyez de dos, hein, je peux pas filmer dessus parce que y a ma fenêtre là qui fait contre-lumière. Et du coup, ça m'empêche de bien me filmer. Hein, comme on l'a vu dans ma vidéo les années 2010. Hein, tout le long, on voit une grosse lumière derrière moi et on n'arrive pas à bien me voir. C'était pareil pour mon ancienne chambre, hein. Il y avait toujours une fenêtre derrière moi, mais le volet était fermé, donc finalement on était bien. Mais là je peux pas, tout simplement. Et on va jouer à un jeu que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, quand j'avais environ 10 ans. Je jouais beaucoup à ce jeu, c'est tout simplement Slender Chapter 1. Chapitre 1. Seul. Une fois j'ai essayé de jouer au jeu sous ma couette, avec les volets fermés dans mon salon. Comment dire? Voilà quoi. Comme c'est bientôt Noël. Voilà. C'est ma couleur préférée. Ceux qui ne le savaient pas, et bah sortez, vous n'avez rien à faire ici. Abonnez-vous. Hein. Merci. Donc bref, Slender chapitre 1 seul. Hein, c'est un de mes premiers jeux d'ailleurs. Enfin, sur téléphone bien sûr. Enfin, jeu mobile bien sûr. Donc on va changer de trois réglages. Genre là, la sensibilité. Kidness, je pensais que c'était en français avant. Mais. Voilà. Difficulté, facile, moyen, tout s'en connaît, journée, nuit. Un drôle de dilemme. J'imagine qu'on va pas trop faire les tapettes, on va prendre journée avant. Je pense que la nuit on se la réservera plus tard. Donc oui. D'abord on va faire en facile, puis on va faire en difficile la nuit avec du brouillard. Phoenix sans une jolie page, une jolie page, hein. c'est ça. Bref, on continue la partie, hein. Des arbres, fin, sans feuillage, et noir. Une deuxième page qui flotte dans les airs, tout va bien. Après j'ai pris le niveau la route parce que la ferme en fait c'est beaucoup trop vaste. Mais je sais pas du tout si on va le faire, hein. Pour l'instant. Donc là-bas encore une page, hein, on est à 2 sur 8. Vous savez que selon une théorie, les pages ce serait des dessins de sa fille morte. Et ouais, c'est pour ça qu'il se bat pour la récupérer. Ça vous savez pas, hein. Je sais pas si vous entendez, mais le son de l'ambiance et le son de la musique du début. C'est bon, on a compris, téléphone. Je disais, oui, c'est le son que j'ai utilisé dans mon film Slender Chicken. Hein, d'ailleurs, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Pourquoi mes yeux ils bug là? J'ai même pas de caméra. Donc, bref, mes yeux bug, pourtant il est pas là. Voilà. Une jolie maison. Ça a l'air de faire très peur à l'intérieur, mais très joli à l'extérieur, hein, bien sûr. C'est comme ça aux États-Unis. Très jolie maison, bien sûr. Avec deux jolies voitures. Wow, une Volkswagen. Et... Ah, ça va. J'ai bien cru qu'il était derrière la maison. Cinquième page. Ah, merci, c'est à moi. J'arrive plus à remonter la route. Ça a l'air d'être un hôpital, ce truc, je crois. Après, mes souvenirs sont bons, bien sûr. Deux, trois camtars. Pas l'air d'être un hôpital en fait, à moins que les ambulances ressemblent à ça, c'est pas très mal. Là il y a au moins 2-3-10 personnes qui peuvent rester dans cette remorque. Hein. Une sixième page, il ne nous en reste plus que deux. Il fallait que je répète ça à voix haute.
Oh, putain, il était là. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu très peur. Je suis habituée, vous savez, à la force. Il y a un peu de bois. Désolée si je suis obligée de prendre tes pages. C'est bon, je dois de l'argent à un mafieux. Mais tu crois que les papiers, ça va faire quoi? Bien sûr qu'il veut les prendre. N'importe quoi. Après, les feuilles et de l'argent, c'est pareil. C'est du papier. C'est des bouts de papier qui volent. Que voilà. Donc une autre maison hein, qui a l'air tout aussi jolie hein, Stéphane Plaza, quand tu veux tu viens la voir parce qu'il y a de grosses grosses rénovations à faire là-dessus. Oui, d'énormes rénovations. Oh, la dernière page. Ouais, dans ta dimension normale on te baise. Donc voilà, on a baisé le normal. Et donc c'est parti pour Slender, chapitre 2, survie. La survie. Survivre. Bon. Bref, voilà. Donc on modifie 2-3 trucs. Hein. Je veux pas de brouillard ni de pluie, merci. J'aime déjà pas assez ces météos dans la vraie vie. Ah, les options. Pas options. Les options. Maison, carnaval, grande forêt, si froid. Si froid. Donc on va prendre carnaval et jour et nuit, hein, comme ça on se fait pas beaucoup chier. Hein. Donc voilà. Waouh. Déjà c'est violet. Y a pas. J'avais. Je croyais que j'avais enlevé pluie moi. C'est n'importe quoi ici. Bon, déjà qu'ils sont foutés sur un stand. On peut zoomer maintenant, comme c'est une vraie caméra qu'on utilise dans le jeu. Il faut le voir, ce magnifique point qui clignote et ce bouton pour courir. Parce qu'il faut une caméra pour courir, c'est bien connu. Donc bref, une pêche au canard. Ici, un ascenseur, je crois. Non, c'est pas ici, c'est la pieuvre. Et Benjour, c'est bien nous, le putain de forain du magazine. Merde, je veux dire manège en plus. J'ai dit magazine. Je suis un très mauvais forum. Ne me faites pas confiance. Donc bien sûr, on a un stand, on a un bar à quelle frites. Ici, des projos. L'ascenseur, il est là-bas. Hein. Donc, ici, on a la pieuvre. On va monter dessus et on va faire un bon tour de manège. Rien m'intéresse. C'est lui. Oh putain, non, je suis pas fou, Bouge. FTP. Petit FTP. C'est encore lui, tout au fond là-bas. On peut zoomer sur son visage. Coucou. Ces petits appels de phare, non, ça te dit pas, connard? Non, c'est pas grave. C'est rien de spécial en jeu, hein. À part des stands, de l'herbe violette, des pêches au canard et des forains nuls. Bon, ça c'est un jeu qui a du flow. La grande roue, ça sert pas à grand chose non plus.
cellule. Putain, tu dois avoir mal au dos, merde. Je sais pas, je trouve l'objectif. Tu dois avoir mal au dos, bonhomme. Hein. Bon. Il est là, tiens. Une page. Une page pour une fois. Hein. Enfin, parce que ça va faire 6 minutes qu'on joue, il n'y a toujours pas de page. Ce serait bien d'en mettre plus. Sur cette herbe violette. Si quelqu'un m'explique, c'est vraiment très bizarre. On va pas être mécontent, hein, parce que le violet, c'est bien sûr ma couleur préférée. Attendez, j'essaie de... Ah, le jus. Bon. Où sont les pages? Bon, on va sortir de ce tombe qui ne sert à rien. Et là-bas, il y a notre bon vieux Slenderman. Le soleil vient de se lever. On est parti pour rencontrer notre ami dévisagé. On a encore un spot là-bas qui bizarrement éclaire l'herbe violette en vert. Ce n'est pas normal en cet univers. J'ai eu très peur. Oh, c'est les trucs à pluge là. J'ai jamais gagné à ces merdes. Pourquoi dans l'univers du Sony, il y a vraiment tout pour t'y faire penser, parce que comme on peut voir, il y a beaucoup d'arbres fins. D'arbres fins, très grands. Qui donc pensait au Slenderman, bien sûr. Voilà. Oh, il a disparu. J'ai eu très peur. Pardon, mais il dort les screamers, ce petit fils de pute. Par contre, je vais rentrer dans ma caravane, tu n'as pas le droit d'y entrer. Déjà parce que c'est plus la clope, et aussi parce que c'est intrusion chez personne. Donc voilà, je rentre dans ma caravane violette, hein, parce qu'apparemment, il adore cette couleur. Donc voilà, t'as plus le droit de me faire chier, parce que je suis entré chez moi. Et si tu rentres, j'appelle les keufs. Non, t'as pas le droit d'entrer chez moi, en fait. Bouge! Tire-toi! Espèce de cyber-clodo! Oh non! Mais non, mais putain, j'ai appuyé! Merde, quand je viens. Merci d'avoir regardé. Désolé si c'était si long. Je pensais pas que ça durait autant de temps de jouer à ce genre de jeu. La prochaine vidéo gaming, ce sera sur le chapitre 3 de la trilogie des Slender. Et la prochaine parodie sera dimanche. A plus! La lumière là. Téléphone. Plus de batterie. On dirait le début d'un film d'horreur. Quelqu'un ici? C'est qui a éteint ma lumière? Oh, des cheveux.